Merci pour cette introduction. Alors n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans le chat pendant notre intervention. Nos équipes sont là pour y répondre, évidemment. Alors Thomas, le groupe d'Amartex est leader européen de la silver economy. Quelle est la stratégie du groupe et comment Damar s'inscrit-il dans cette stratégie? Écoutez, effectivement, Damar est un groupe majeur de la silver economy. Donc les clients que nous visons sont plus de 55 ans. C'est globalement ce qu'on appelle les seniors. On s'appuie sur trois grands pôles d'activité. Le premier autour du textile, le deuxième autour du home and lifestyle, c'est le bien vieillir à domicile, on va dire. Et le troisième, c'est effectivement tout ce qui est santé. C'est un pôle récemment créé au sein de Damartex. On est présent sur la plupart des canaux, hein, avec un canal historique qui est la VPC, puisque c'est un peu l'histoire de Damar, notamment, s'articule autour de la VPC. En magasin, bien évidemment, sur le web, avec à peu près aujourd'hui 12% de chiffre d'affaires. On vise de doubler ce chiffre dans les années qui viennent. Et puis une activité B2B moins connue, mais qui est bien présente. En termes de produits, nous sommes très connus pour le thermolactyle, hein, qui est le produit un peu phare, iconique de Damar. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le principal produit évidemment que nous vendons. Nous avons aussi beaucoup de prêt-à-porter. Et puis Damar Sport avec des vêtements techniques. D'accord. Et alors sur Damar, la marque Damar, vous avez des enjeux extrêmement forts, je crois, de croissance. Comment vous prévoyez d'y répondre? Alors, le gros enjeu, c'est la bascule de la VPC vers le digital. Voilà. Historiquement, on vient de la VPC, donc on a une très bonne connaissance de nos clientes, hein, puisqu'on fait ça depuis plus de 60 ans. Mais évidemment, il va falloir qu'on gère ce virage vers le digital, et c'est tout l'enjeu de la transformation qu'on mène aujourd'hui. On a des atouts pour ça, hein. Comme je l'évoquais, finalement, le web ou le e-commerce, quelque part, c'est la version digitale de la VPC qu'on a connue par le passé. Donc, on connaît toutes ces mécaniques extrêmement bien. On a aussi l'atout d'avoir ce mix print et web, hein. C'est vrai que le print reste quelque chose de très actif et permet d'amener du trafic aussi sur le web. Et donc, voilà, on a lancé un gros projet de transformation avec un autre enjeu qui est important, c'est la cible, puisque nos clientes vont de 55, allez, on va aller à 95 ans. Et donc, évidemment, vous imaginez bien que ce sont des profils extrêmement différents. Entre une femme de 55 ans, femme active, très digitale, avec son smartphone, sa tablette, et une cliente de 85 ans, plus sédentaire, les enjeux ne sont pas du tout les mêmes. Et il faut qu'on arrive à capter beaucoup plus de clientes de 55 ans, puisque quelque part, ces clientes étant plus volatiles, moins fidèles, il faut qu'on arrive on va dire... Pour une cliente historique, il faut qu'on arrive à aller chercher, on va dire, deux clientes plus jeunes. Donc voilà, c'est tout l'enjeu de la transformation qu'on mène aujourd'hui. Oui, ça remet en cause le modèle. Alors c'est intéressant parce que vous parlez de modernisation, vous ne parlez pas de rajeunissement de la marque. Et vous devez vous adapter les expériences d'achat finalement entre des femmes donc, de 55 ans, de 85 ans. C'est vraiment le grand écart. Comment cette modernisation prend forme? Qu'est-ce qu'on entend dedans? Vous parlez de transformation, modernisation, il y a quoi dedans? Alors effectivement, vous avez dit un mot extrêmement important, modernisation. On n'essaie pas de rajeunir, notre cible reste les plus de 55 ans. Mais évidemment, encore une fois, les plus de 55 ans d'aujourd'hui ne sont pas celles d'il y a quelques années, donc il faut qu'on prenne évidemment ça en compte. Donc on a lancé un grand plan de transformation qui s'articule sur trois grands thèmes. Un axe, justement, modernisation de l'image. Ça passe aussi par la modernisation de l'offre produit, donc il y a un gros chantier qui a été initié sur ce thème-là. Un deuxième axe qui est la modernisation de nos process, de nos outils, de notre organisation. Donc évidemment, les sujets IT dont on va parler juste après sont évidents dans ce pilier-là. Et un troisième axe extrêmement important, c'est la mode responsable. On s'engage fortement sur ce sujet-là. D'ailleurs, vous allez voir que dans les prochains jours, on va lancer une capsule avec un partenaire qui est très, très, très engagé sur ce sujet de mode responsable. Donc, je vous invite à suivre Damar dans les prochaines semaines. Mais voilà, c'est un troisième axe extrêmement fort dans l'ambition qu'on vise pour 2025. Alors, vous avez un plan de modernisation, des objectifs de croissance importants. D'un point de vue IT digital, si on zoome là-dessus, comment concrètement s'articule ce plan? Comment vous projetez? C'est quoi la roadmap digitale? Donc, il y a plusieurs... On refond complètement le système d'information autour de plusieurs piliers. Le premier pilier, c'est l'omnicanalité, donc s'assurer qu'on ait des outils qui soient tous omnicanaux. C'est simple à dire. Le magasin est important. Le web, les magasins, la VPC. Donc il faut qu'on arrive à faire cohabiter tout ça et surtout que l'expérience cliente sur tous ces canaux soit optimale. Donc des outils transversaux, multicanaux. Et puis un deuxième axe fort qui est la modularité. On pense beaucoup que le marché bouge beaucoup, nos clientes évoluent.
évolue beaucoup. Il faut qu'on soit capable de suivre très rapidement. Donc la modularité du système d'information qui permet de le faire évoluer rapidement est importante. Et il y a un enjeu compétences, évidemment. On voit bien que le marché de l'informatique est très tendu, donc il faut aussi avoir les bonnes compétences pour transformer. Je voudrais dire deux mots sur un peu le cœur du réacteur aujourd'hui du SI de Damarc et ce qu'on appelle notre Omnichannel Hub. C'est une brique qui embarque tout ce qui est données, donc nos master data, notamment les données clients par exemple, et tout ce qui est accès à la donnée et tout ce qui est intelligence. Donc l'accès à la donnée, c'est évidemment toutes les technologies qui permettent facilement de se connecter à notre système d'information, que ce soit de l'interne ou de l'externe d'ailleurs. La brique données, c'est effectivement un asset fort. Autant on peut avoir des systèmes très différents pour consommer la donnée, on veut vraiment garder la maîtrise totale de nos données en interne. Et puis, ça nous sert aussi, cette brique, cet Omnichannel Hub, à casser les dépendances entre nos systèmes legacy, qui ne sont pas toujours très modernes, et puis les nouvelles briques dont on va parler juste après, qu'on vient connecter dessus. Donc, ça permet de casser cette dépendance pour nous assurer qu'on gagne en agilité et en vitesse, surtout pour suivre les évolutions du marché. Et point majeur, on en parlera juste après, j'imagine, une des premières briques qu'on va connecter sur ce hub est notre plateforme e-commerce qui s'appuie sur Magento. Donc le cobaye qui va lancer cette nouvelle architecture dans laquelle la donnée est centrale. Exactement. Alors, donc du coup, il y a des enjeux extrêmement forts là, sur cette modernisation, sur l'aspect omnicanal, le web, le mobile, le conseiller téléphonique qui est quand même hyper important parce que vous nous parliez de la proximité avec les clients qui est un atout fort de la marque, les magasins évidemment. Et donc, le dispositif e-commerce va être clé là-dessus, la digitalisation finalement de ce canal-là. Donc, vous êtes en train de déployer Magento Cloud pour supporter ces enjeux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les différentes étapes clés d'un tel projet et vous avez un bon retour d'expérience, du coup vous allez bientôt déployer. Quels sont les retours d'expérience, les choses les critères de succès? Voilà. Alors il y en a plusieurs. Je pense qu'un des enjeux importants, c'est que ça soit bien un projet business. Un projet e-commerce qui est vu comme la mise à disposition par les équipes informatiques d'une plateforme e-commerce, je pense, et voué à l'échec. Il faut vraiment que ça soit un projet porté par les équipes métiers avec, évidemment, une contribution forte de l'IT, un support de l'IT, mais il faut vraiment, ça c'est clé, que ça soit un projet business. Le deuxième point important, c'est un sujet de compétence, je l'ai évoqué. Les nouvelles technologies sont très recherchées aujourd'hui. On se bat sur le marché pour recruter les bons profils. Et donc, évidemment, avoir ces ressources, compétences, l'expertise nécessaire est un sujet important pour réussir. Et un troisième aspect qui me semble clé, c'est le volet architecture. On a, je l'évoquais, tous des systèmes legacy historiques. Et quand on parle de Magento notamment, hein, c'est un système quelque part qui peut être autonome par lui-même. Il y a beaucoup de briques fonctionnelles embarquées. Et donc, il faut parfois faire des choix entre ce que je vais prendre, entre guillemets, dans l'offre Magento et ce que je vais garder sur mon système legacy et s'assurer que le schéma d'architecture global fonctionne, a été bien réfléchi en amont pour éviter d'avoir à détricoter les choses après coup. Donc, voilà. Donc, poser quelques minutes sur la réflexion, sur l'architecture cible, me semble un élément clé pour réussir notre transformation digitale. Sachant que d'ailleurs, c'est plus de l'architecture fonctionnelle que technique, c'est là que le côté métier est très important, puisque finalement, c'est faire le choix de où est-ce qu'on va gérer les commandes, de quelle façon gérer les ordres, les prix, le catalogue. Et puis tout ça avec une composante internationale que vous avez évidemment. Voilà, et c'est là où on retrouve aussi l'enjeu omnicanalité, puisqu'il y a des briques qu'on veut évidemment déporter en centrale pour l'omnicanalité. Vous parliez à l'instant de la base client qu'on garde évidemment dans ce hub. Et donc après, il faut s'assurer que ce hub soit bien connecté à toutes les composantes du SI. Donc voilà, ces enjeux d'architecture sont vraiment clés et il faut les penser très 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 tôt. Et alors, ce qu'on disait, c'est que Magento embarque énormément de fonctionnalités. Vous me disiez à un moment, c'est aussi une opportunité de réfléchir les choses autrement, de voir comment on pourrait les faire différemment et aller plus vers du natif, parce que finalement, on faut choisir ses combats, en fait. Où est-ce qu'on fait du spécifique? Où est-ce qu'on choisit de faire finalement comme les autres? Parce que ça n'a pas forcément de valeur ajoutée de faire du spécifique partout. Oui, alors effectivement, les entreprises de VPC comme Damarc ont des systèmes relativement spécifiques puisqu'ils ont été, j'allais dire, les premiers à faire du CRM il y a 60 ans, d'une certaine manière. Donc, on a beaucoup de systèmes qui ont été développés en interne. Et c'est vrai que, du coup, c'est aussi le poids de l'histoire. Il faut qu'on arrive à moderniser ces systèmes-là. Je parlais tout à l'heure de l'enjeu vitesse. Ça passe aussi par une certaine standardisation. Donc, il faut qu'on arrive à faire un vrai choix, se poser la question de savoir qu'est-ce qui est vraiment différenciant pour nos clients.
vente, ça potentiellement garder un peu de spécifique en interne puisque c'est là où on fait la différence. Et puis pour les process plus classiques, là être capable de rentrer dans le standard. Et c'est vrai que l'objectif et un des enjeux de la mise en place de Magento était aussi cette réflexion de dire bon, où est-ce qu'on revient dans du standard et où est-ce qu'on garde un peu de spécifique parce que c'est là où on a des critères différenciants pour l'expérience cliente qu'on souhaite pour Damar en tant que tel. Alors, le projet va bientôt être déployé. C'est quoi, là, dans les prochains mois? Qu'est-ce qui va se passer? Et puis, qu'est-ce que vous avez en tête? C'est quoi votre roadmap pour la suite sur les, on va dire, la prochaine année? Donc, on travaille sur deux axes en parallèle. Le premier axe, c'est un axe de déploiement. Donc, on vise à déployer dans les prochaines semaines, puisque ça va être sur le mois de février, la BU Belgique. Et derrière, on va enchaîner avant l'été sur nos deux plus grosses entités que sont la France et l'Angleterre. Donc ça, c'est le premier axe déploiement. Ensuite, on vise aussi de reprendre notre croissance à l'international, notamment en mode cross-border et certainement en mode pure player digital. Donc l'idée, c'est d'attaquer de nouveaux marchés en s'appuyant évidemment sur notre plateforme web en mode pure player. Donc ça, c'est ce qui va arriver après le déploiement de nos principales BU que j'évoquais à l'instant. Donc ça, c'est le premier axe, déploiement de notre solution. Le deuxième axe, c'est l'enrichir. On parlait tout à l'heure de nos cibles clientes qui sont les seniors, plus de 55 ans. Il y a des services spécifiques qu'on peut leur mettre à disposition au travers du site web. Et donc l'idée, c'est évidemment d'aller enrichir notre plateforme avec de nouveaux services. Et donc voilà, donc deux axes qu'on va faire en parallèle, hein, évidemment. L'idée, ce n'est pas de les faire l'un après l'autre, c'est déployer d'un côté et enrichir de l'autre. Et vous me disiez aussi, l'idée, c'est qu'à chaque fois que vous allez sortir un nouveau pays, étendre la plateforme finalement sur des nouveaux sujets, ne pas le faire entre guillemets gratuitement, mais en profiter pour moderniser votre système d'information de façon globale, pas que Magento, au-delà de Magento, évidemment, tout ce qui se passe autour. Tout à fait. La modernisation du système d'information est un enjeu clé pour nous. Et on cherche à le faire de manière opportuniste. Moderniser pour moderniser ne fait pas trop de sens. Donc, dès qu'on a un changement, une transformation qui a lieu côté métier, par exemple, on en profite pour moderniser la brique du système d'information associé. Donc, c'est vrai que l'enjeu, il est vraiment double à chaque fois. À chaque fois, on se pose la question, on a une transformation en business. Est-ce que c'est l'opportunité d'aller moderniser notre système d'information? Et c'est en faisant les deux. Et à chaque fois, on se pose vraiment cette question. Et on y va, entre guillemets, que si on répond à ces deux objectifs, à la fois, évidemment, aller chercher de la croissance et moderniser notre système d'information. Donc, on travaille effectivement les deux axes en parallèle. C'est très important pour pouvoir, à l'échéance 2025 qu'on se donne, avoir, on va dire, un SI à l'état de l'art. Oui, d'autant plus que du coup, là, vous parliez d'étendre en cross-border. Du coup, vous allez vous retrouver dans certains de ces pays-là. Alors, je crois que vous restez quand même en Europe, mais dans certains de ces pays-là, dans un mode pure player, finalement. Je ne pense pas que vous allez déployer un catalogue en Allemagne, par exemple, ou autre. Enfin... Non, l'objectif, c'est d'y aller vite. Et donc, le digital, évidemment, il y a un facteur accélérateur. Donc oui, on ira certainement dans un premier temps digital. Après, on ira certainement aussi en retail. On a aussi un fort asset, une forte expérience dans nos boutiques, notamment en France et en Belgique. Donc voilà, premier temps digital, deuxième temps certainement retail, là où c'est pertinent. Et la VPC, pourquoi pas? Il y a encore certains marchés où il y a un potentiel VPC. Donc on a quand même une forte expertise là-dessus. Donc on ira peut-être chercher ses clients quand même. Bon, bah, y a des belles choses devant. Alors, il y a une belle roadmap. Il y a pas mal de sujets très intéressants. Je voudrais vraiment vous remercier, Thomas, pour ce témoignage hyper riche en informations, en enseignements. À titre personnel, moi, ça me fait extrêmement plaisir de voir une marque française qui se déploie comme ça, qui se donne les moyens, qui a de beaux assets aussi pour réussir. Donc, voilà, ça fait plaisir. À titre aussi de partenaire, on va vous supporter sur cette roadmap. Donc, on sera là et on sera content de vous voir grandir, grossir, déployer des nouveaux pays, aller conquérir l'Europe. Donc, voilà, c'est un vrai plaisir. Merci pour tout. On se dit rendez-vous dans quoi? Dans un an pour faire un petit un peu un point de... plaisir. De toute façon, il faut être ambitieux. Donc, allons-y. On se reparle dans un an. Avec plaisir. Merci beaucoup, Thomas. Merci beaucoup, Régis. Merci.